À toutes et tous, on se retrouve eh bien, pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 16 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, vous allez répéter trois fois. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut. C'est l'affirmation positive pour cette journée. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé union. Eh bien, union, voilà. C'est une belle synchronicité. Je me reconnecte à mon être profond. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le moment pour vous, eh bien, de vous associer à un projet ou une entreprise ou à vous unir à la personne que vous aimez. Ça peut être l'union dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, ça peut être familial, ça peut être lors d'un achat, voilà. Écoutez ce que vous dit votre petit cœur. C'est une période eh bien, qui est propice pour une collaboration ou une association. Vous avez envie, pour certains d'entre vous, de fonder une famille ou de créer votre propre entreprise, eh bien c'est le bon moment. L'isolement n'est plus de mise, n'est-ce pas, pour vous? Qui dit union dit compromis et concession, afin que chacune des parties s'y retrouve. Tout en vous, s'unissant à l'autre, eh bien, vous conservez votre individualité, pardon, vos désirs, vos passions, vos goûts et objectifs de vie personnels. Ne l'oubliez pas, vous êtes unique. Mais oui, bien sûr que vous êtes unique, vous le savez. Conservez vos rêves et réalisez-les à deux. Mais oui, pourquoi pas? Il s'agit peut-être aussi d'une réconciliation avec vous-même. Le temps est venu de résoudre vos conflits intérieurs. En vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes, l'harmonie s'installera, n'est-ce pas? Et vous ne ferez plus qu'un avec vous-même et le monde, dont l'union. L'union vous permet, eh bien, une très très belle ouverture vers le monde et vers les autres, et vous encourage à réaliser vos projets, à vous réaliser. Il est important de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves. C'est important. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que c'est possible, c'est le bon moment. Alors, il peut avoir dans l'air, ça peut être un mariage, une réconciliation avec une personne, peut-être un engagement vers quelque chose, un partenariat peut-être. Ça peut être que vous allez retrouver une sérénité avec la famille. Vous allez être dans une très grande sagesse, de bonheur, de protection. C'est une union qui est bénéfique, qui est salutaire. Donc, ce que vous allez décider, c'est le bon moment et vous allez arriver à mettre sur pied un projet. Encore une fois, ça peut être un projet familial, un projet sentimental, un projet professionnel. C'est une belle carte positive, n'est-ce pas? Les affirmations, je me réconcilie avec moi-même, je donne et je reçois de l'amour, je vis une grande histoire à deux, mon partenaire est l'homme
ou la femme de ma vie. Je suis en sécurité dans toutes mes relations et je partage ma vie avec la personne que j'aime avec bonheur, avec un grand, grand bonheur. Et je résous mes conflits intérieurs et je m'aime. Eh bien, c'est un magnifique message pour terminer cette semaine. Et je terminerai par, eh bien, la petite, le petit oracle de fée. Voilà, je suis encore dans l'union. Ça me parle beaucoup, cette carte. Et j'ai pigé la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ah, ben voilà, ça c'est un beau message de la fée. Ça prouve que nous ne sommes pas des anges, nous sommes tous des humains, avec nos qualités et nos défauts, et ressasser les fautes que nous avons commises, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, ayons de la compassion envers nous-mêmes et ne pas nous juger et nous pardonner surtout. Pardonner, je demande pardon à tous ceux, toutes celles que j'ai fait du mal, volontairement ou involontairement, pardonnez-vous. Ce sont des erreurs que vous n'allez plus commettre et arrêtez de ressasser vos fautes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très joli week-end. Et puis, on se retrouve eh bien, dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Mais surtout aussi, prenez soin de vous dans la douceur. Hein? Voilà, en douceur, avec beaucoup de bienveillance. Et puis, moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.